Là, on a aussi le souci que... Ah ouais, il faut stopper la boule au bon moment. Mais après... Ah ouais, il faut y accéder par plus haut. Juste pas. Bon, c'est pas grave. Et on a accès à quelque chose? Non. Ok, donc là c'est la partie. Donc là, si je comprends bien, il faut attendre le maximum. Voilà. Terminal activé. Il reste encore 3 terminaux de contrôle à activer. Encore 3. Tu vas y arriver. Encore 3 terminaux. Je le sais. Et on va en profiter. Pour récupérer ce fameux coffre. Oh, un cœur antique, ça c'est intéressant. Ah voilà, il faut bloquer. Mais il faut le bloquer au bon moment. Il reste encore 2 terminaux de contrôle à activer. Tu y es presque. Presque. Par où je remonte? De ce côté, hop.
Hey, il y a un coffre. Là en dessous. Avec un petit ressort antique, parfait. Hop, ça nous permet d'avoir un petit raccourci. Alors, il y a ce fameux feu là-haut. Je pense qu'avant de ça, il faut que... pour le coup, il y ait un mécanisme qui soit ouvert. Voilà, quand on y va comme ça, on peut monter sur la trompe. Oula, j'ai eu de la chance. Il ne reste plus qu'un seul terminal de contrôle à activer. Encore un dernier petit effort. Hop. Ah. Ah, il est là. Hop. Et là, voilà, c'est ça, il faut qu'on ouvre le mécanisme. Et nous voilà avec les 4 terminaux. Tu as activé tous les terminaux de contrôle. Il ne te reste plus qu'à actionner l'unité principale. Si tu examines ta carte,
Tu verras un gros point brillant. C'est là que tu dois te rendre. Mais, je t'en prie, reste sur tes gardes. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste manger un petit peu. Alors, ici, j'ai rien d'intéressant. Et voilà l'ombre d'eau de Ganon. Affrontons. Prends garde! Ce monstre a été créé par Ganon. Il y a 100 ans, c'est lui qui m'a... Mais... je sais que toi, tu pourras le vaincre. J'en suis certaine. Allez. On regarde à sa lance. Elle peut t'atteindre de très loin. Est-ce qu'on n'aurait pas une arme un peu mieux? Je pense ça. En deux coups, oh là là. Faut qu'on étudie un petit peu ses attaques. C'est reparti. D'ailleurs, hop, on n'a pas un équipement qui nous protège un peu mieux. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ensuite, comme arme, on va utiliser celle-ci. Le bouclier, c'est ça. Loin.
Déjà la moitié, c'est pas mal. Et re, Maxime. Ça fait mal. Allez, mangeons un petit peu. On va prendre quelques pommes. Et j'ai vu qu'on avait plus de flèches. On a des flèches de feu encore. Deuxième phase, ok, on va voir comment ça se passe. Ah, cette fois, sur des plateformes, ok. Fais attention. On n'a plus beaucoup de place. Mais du coup, j'ai plus aucune flèche. Mince. Et vous voyez que si je l'attaque pas, il récupère sa vie parce qu'on est en mode expert. Et ça, c'est un peu chiant. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est que plutôt que de mourir en boucle, c'est de revenir quand on sera un petit peu plus équipé. C'est-à-dire que actuellement, voilà, on a quelques flèches, mais pas grand-chose. On a quelques arcs, mais on n'en a pas des masses. Et je pense que ça serait pas mal d'avoir quelques armes, quelques arcs, et surtout des flèches supplémentaires. Parce que sinon, on va avoir de la difficulté pour la deuxième phase, je pense. Et puis, du coup, comme ça, on pourra revenir. Alors, je sais pas si on peut, du coup, partir. Oui, on peut partir. Et puis, on reviendra, en fait, sur la créature. Le moment où on sera un petit peu mieux équipé.